il n'est pas l'homme de ses chansons, et il en a assez de le répéter. Michel Sardou se livre cette semaine à Paris Match, dans un long entretien, où il revient sur son incroyable carrière. Le chanteur des Lacs du Connemara, qui est passé de la chanson au théâtre, regrette toujours qu'on lui prête des intentions politiques qu'il n'a pas. Nom, Michel Sardou n'est pas d'extrême droite et à nos confrères, il explique ainsi, je passe pour un réac parce que j'ouvre ma gueule, je dis ce que je pense. Mais quand on dit Sardou est de droite, on sous-entend souvent d'extrême droite. Or ça, je ne l'ai jamais été. L'idée que ces gens-là puissent prendre le pouvoir me rentrait perplexe. D'ailleurs, dit-il, quand on écrit une chanson, on ne pense pas à l'avenir du monde ni aux élections qui viennent. Enfin. Certains, oui, il y a des chanteurs engagés. Moi, je n'ai jamais voulu en être un. Et même si on l'a traité de raciste, de misogyne, de facho, pour certaines de ses chansons, Michel Sardou continue de le dire, tout le monde s'est trompé. Il s'en explique ainsi, je me suis piégé en écrivant souvent mes textes à la première personne. On a cru que je chantais ce que je pensais, alors qu'une chanson, c'est comme une pièce, on raconte une histoire, on crée un personnage. Une discographie tout en nuances. À 74 ans, Michel Sardou déplore qu'on lui ait collé des étiquettes, alors qu'il suffisait de prendre de la distance avec ses textes. Plus nuancé que ce qu'on dit de lui, il a bien écrit « Je suis pour » sur la peine de mort, alors qu'il est abolitionniste, il a également écrit « Ne m'appelez plus jamais France », qui a été acclamé par la CGT, alors qu'il est plutôt à droite, gaulliste. Il a aussi chanté « Femmes des années 80 », un manifeste féministe, alors que dans « Ville de solitude », il parlait de violer les femmes. Supérieur à avoir aussi, le chanteur Michel Sardou balance en direct dans Quotidien F. à lire aussi Adblock Test, why ?